Bonjour mes frères et sœurs chéris. C'est moi, Myriam l'Ardente, rose de l'amour et de la vie. C'est avec toute la puissance du feu ardent qui réside en mon cœur que je m'adresse à vous en cet instant. Il est temps, mes frères et sœurs chéris, de vous délivrer quelques vérités pour votre bien et le bien de l'humanité entière. Ainsi que vous le savez, les femmes, à travers l'histoire de l'humanité, ont été assimilées à la tentation, au péché, à la dangerosité, à la mort, à la toxicité. Tout cela n'est que fable, mensonge, fadaise. Est-ce que ces hommes qui se sont permis de soumettre la femme via la perversion des traductions originelles des écrits sacrés que vous connaissez aujourd'hui, étaient là à l'origine de l'humanité? Bien sûr que non. Ils se sont tout simplement permis, pour asseoir leur autorité illégitime, de tourner à leur avantage l'esprit originel des écrits sacrés. La femme est principe de vie dans son essence. Il est important que moi, Myriam l'Ardente, j'ajoute à ce que je viens de dire une précision capitale. La femme est bien sûr principe de vie. Néanmoins, elle ne peut être principe de vie toute seule. Car depuis la nuit des temps, hommes et femmes œuvrent main dans la main pour répandre la vie et l'amour sur la terre. Par voie de conséquence, quiconque niera l'importance de l'homme ou de la femme, se retrouvera à nier l'importance de l'équilibre masculin-féminin sur lequel repose l'humanité depuis la nuit des temps. Vous avez entendu parler du mythe de la femme pécheresse qui aurait tenté Adam et qui l'aurait induit en erreur et l'aurait fait succomber à la tentation, comme c'est pratique. Tout cela n'est qu'une fable pour justifier le fait de dominer la femme. D'ailleurs, vous voyez bien que l'on a fait de moi, Myriam, la pécheresse repentie. Je ne suis en aucun cas une pécheresse repentie. Oui, j'ai fait acte de repentance en ce qui concernait mes manques d'amour. Et en premier lieu, des manques d'amour que j'ai eu envers moi-même, eu égard au regard que la société posait sur moi à l'époque. Et j'ai fait repentance du fait d'avoir méconnu tout mon potentiel. Heureusement, mon époux bien-aimé Yeshua, parfaite incarnation du divin masculin, m'a éveillée à ma plein potentiel de femme. Depuis lors, j'ai pu incarner en plénitude celle que je suis et le divin féminin qui depuis toujours résidait en moi et réside en chaque femme. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que le péché est une invention humaine. Nous sommes tous parfaits et purs, de par notre nature. Ce qui viendrait porter atteinte à cette pureté, ce sont nos pensées et nos actes. Cependant,
si nous revenons en notre cœur et que nous posons des actes d'amour, alors nous retrouvons instantanément notre pureté des origines. Car je le redis, de par nature, nous sommes des êtres purs et parfaits. Alors je vous le demande avec passion et avec l'ardeur qui me caractérise. Sortez de cette vision erronée de la femme, ainsi que de la vision erronée de l'homme. L'homme a le droit, et je dirais même le devoir sacré, d'accueillir sa douceur constitutive du masculin sacré, ainsi que sa sensibilité qui est expression suprême de la beauté de son âme. De même que la femme est amenée aussi à accueillir sa vraie nature, toutes ses émotions, son intuition, sa puissance de vie. La femme, pour accéder à sa parfaite complétude, est amenée à accueillir le masculin en elle-même, pour vivre la réconciliation avec le masculin en elle, pour mieux accueillir le masculin au quotidien. De même, l'homme est amené à faire la même démarche. Accueillir la femme autour de lui et la féminité en lui. Car qui que nous soyons, nous sommes porteurs du masculin et du féminin sacré. Moi, Myriam, je vous le dis, l'heure n'est plus à la dualité qui conduit à l'illusion de la séparation. L'heure est à l'harmonie, à l'union, et je dirais même à la réunion de vos polarités sacrées. Ne cherchez plus, femme, querelle aux hommes pour le passé. Il est temps de le dépasser, pour œuvrer avec eux dans l'amour. Chers hommes, ne tenez plus rancune aux femmes parce qu'elles vous ont fait peur ou parce qu'elles se sont mal conduites parfois en voulant vous émasculer. Soyez vous aussi, chers hommes sacrés, dans le pardon. Car si vous êtes pleinement homme, la femme pourra être pleinement femme. Et si vous, chère femme, vous êtes pleinement femme, les hommes pourront être pleinement hommes. Je vous en conjure et vous en supplie. Prenez exemple sur moi-même et mon époux bien-aimé, qui avons œuvré ensemble et qui continuons, par-delà les limites du temps et de l'espace, à œuvrer ensemble pour votre bonheur. Nous vous avons montré un chemin, le chemin de l'amour, de la parfaite union du divin masculin et du divin féminin. Vivez à notre suite cette union parfaite du divin masculin et du divin féminin. Nous serons, comme nous l'avons toujours été, vos guides. Il suffit simplement de nous le demander. Mon cher époux et moi-même, vous accordons en cet instant notre bénédiction. Nous déposons nos énergies de guérison en vous, pour que toutes vos blessures les plus intimes puissent en cet instant trouver l'apaisement et la guérison. Nous sommes avec vous jusqu'à la fin des temps et nous vous aimons d'un amour infini. Je suis Myriam l'Ardente et j'ai parlé. Thank you.